Monsieur quoi d'ailleurs ? Vitalis. Vitalis est un homme qui a, par le passé, qui a vécu un drame et qui porte ce drame et qui vit la vie qu'on voit dans le film comme une espèce de rédemption, voilà. Attention, petit. Tu voudrais pas que mon ami t'attrape un mollet ? C'est quelqu'un qui n'attend plus rien et qui va être bouleversé au moment où il va rencontrer cet enfant. Daniel, j'ai le sentiment qu'il a besoin de progressivement rentrer dedans, dans sa posture, dans sa façon de marcher. Pour un acteur, revêtir un costume, c'est se mettre aussi dans la peau du personnage. Effectivement, le costume participe énormément au personnage. Oh, on devait, en fait, dans son costume, sentir justement son passé. Moi, je trouvais intéressant qu'il joue un rôle de mentor dans un film adapté d'un classique de la littérature et a fait découvrir dans des rôles dramatiques quand il jouait Hugolin face à Yves Montand. Enfin, il y a ce rapport miroir qu'il y a entre les deux films. Il a ce charisme naturel, il a ce coffre qui fait qu'il a cette voix si particulière. Je ne t'ai pas loué à Barberin pour faire la quête. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très contemporain et de très rythmé dans cette histoire. Je t'ai loué à lui pour chanter.